Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Manga. Aujourd'hui, je vous présente What Did You Eat Yesterday de Fumi Yoshinaga, paru aux éditions Soleil Manga. C'est l'histoire d'un couple homosexuel. L'un des deux est avocat et aime beaucoup cuisiner en faisant de bonnes affaires, et l'autre est coiffeur et on va suivre la vie de tous les jours, en fait, leur quotidien. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce bouquin? C'est pas transcendant comme manga. La raison pour laquelle je vous le présente aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé ça, en revanche, très original. D'abord, alors, on s'y intéresse de plus en plus, mais ça a quand même été caché pendant très longtemps. On a affaire à un couple homosexuel, et ce que je trouve génial, c'est que c'est un couple homosexuel terriblement chiant. Je vais m'expliquer. On suit leur quotidien. Il arrive rien d'extraordinaire. C'est vraiment un couple lambda qui est même pas éperdument amoureux l'un de l'autre, mais ils vivent ensemble. Ils se soutiennent et ça va être vraiment l'histoire de tous les jours. Alors c'est rigolo parce que on sent que le manga cherche sa place dans le sens où il y a un mélange entre des intrigues qui sont un petit peu personnelles avec la famille des personnages, avec le milieu de leur travail, éventuellement un petit peu de leur passé et avec la nourriture. Clairement, la nourriture a une grosse place dans l'histoire. Les bonnes affaires également avec les soldes, puisque le personnage principal fait ses achats en fonction des promotions. Et il cuisine. Voilà. Côté graphisme, c'est là où, à mon sens, il y a un petit bémol. C'est pas ouf. Donc, au niveau des plats, il y a un effort qui est fait, mais c'est pas extraordinaire. Ça manque quand même beaucoup de détails, de réalité, comme on a pu voir dans Food Wars, par exemple. En revanche, il y a quelque chose qui est assez chouette, c'est qu'il y a une banalisation, une exagération au niveau des expressions. Quand les protagonistes échangent des propos, quand c'est drôle, quand ils sont frustrés, quand voilà. Donc ce côté cartoonesque, je l'ai trouvé plutôt sympa. Si ça vous dit, n'hésitez pas. C'est What Did You Eat Yesterday? Et c'est de Fumi Yoshinaga, paru aux éditions Soleil Manga. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain blogueo. Bye bye.